pour bien commencer, une artère dont on parle de temps en temps, l'artère fémorale, c'est un vaisseau essentiel, puisqu'on le disait, il apporte oxygène et nutriments à nos jambes. L'artère fémorale, elle prend naissance dans l'aine, c'est en fait une prolongation d'une des branches de l'arbre. Vous savez, c'est la plus grosse artère du corps qui part du cœur, quelques centimètres en dessous de l'aine. Vraiment, je suis désolé. Toi, tu vas te faire la même chose. Julien, je t'en supplie. Arrête de hurler. Julien, mes parents sont juste au-dessus. Appelle-les. Oh putain. Qui dans mon père, je suis fouché. Et lui alors, il est comment? Appelle-les. Non. Mais je vais crever, putain. Tu vas pas crever. Tu vas pas crever, c'est dans la cuisse. Ça saigne à peine. Un chiffon, mec. Pardon. Ok, écoute-moi. Pardon, t'es docteur? T'es docteur ou pas? Putain, arrête! Putain, arrête! J'essaie de le calmer! Par pitié, je... Ta gueule! Ta gueule! Appelle tes parents! Appelle tes parents, putain! Julien, Souleymane et moi, on s'absente une seconde, ok? Juste à côté. En attendant, je veux que tu gardes ça bien appuyé contre ta jambe, ok? Et toi, tu viens avec moi! Pourquoi tu viens avec moi? Ok, écoute-moi. Tu te rappelles la fois où on a piqué le scooter de ton frère et qu'on l'a envoyé dans un lac? Tu te rappelles que tes parents manquaient de te dégager de chez toi? Oh, je me rappelle. Le jour où on allait chez mon voisin, parce qu'on pensait qu'ils nous avaient piqué le pied d'un. Ils avaient piqué nos têtes de bœuf, c'est sûr. Voilà. Mes parents ont menacé de me tirer ma bourse et tuer, mec. La fois où on a envoyé cette meuf à l'hôpital. Parce que je lui ai arrêté de rigoler, putain. Elle y avait pensé. Mais tais-toi. Nos parents, ils nous ont menacé de quoi? Elle m'avait craché dessus. Nos parents, ils nous ont menacé de quoi? C'est une grosse pute. Ils nous ont menacé de quoi, putain? De foutre un suivi psychologique à tous les trois. Putain. Exactement. Et maintenant que tu colles une balle dans la jambe de Julien avec le flingue de mon père, tu crois pas que la santé elle va tomber? C'est toujours mieux que de laisser crever ici avec ça. Mais tu crois qu'il va mourir sérieusement? Une balle dans la jambe, c'est rien, c'est pas grave. Mais t'es qu'un sombre connard égoïste. C'est toi qui as ramené le cul. Toi, on braque pas ses potes, même pour rigoler. Putain, je suis dans la merde, je suis foutu. Non, t'es pas foutu. T'es pas foutu. Voilà ce qu'on va faire. On va lui extraire. On va lui extraire cette balle. Et demain, il va un peu. Et dans deux jours, personne ne saura rien, mec. On arrive, bordel. Quoi, je vais faire comment? Je vais taper tes doigts à l'intérieur, je vais faire le levier. Hey, c'est mort. Il y a le soutien de mon père. Il y a une pince dans la boîte à outils de mon père, mec. Je vais la chercher et je vais expliquer ça à Jules. Je vais... Écoute. Ce flingue, mec, ce flingue, c'est illégal. Mon père, il est plus flic. Il a plus de permis de port d'armes depuis un an, mon père, il est plus flic. Si on appelle mes parents, ils font un tôle et on est tous foutus, mec. Putain, s'il te plaît. Putain. Tu veux passer tes journées à ramasser des savonnettes? Alors on va lui extraire cette balle. Et on n'en parle à personne. Ok? Putain de calculé. Ok. Comment ça, mon pote? Alex, je retire lui-même la balle de ta chambre. Quoi? Moi non plus, ça me plaît pas. Je lui dis de pas le faire. Non. Alors, il est parti chercher le tout de son père. Non, mais c'est un déchet. Je jure. Tu te rappelles? Je jure, écoute-moi, s'il te plaît. Tu te rappelles la fois où t'as jeté une bouteille dans la gueule d'une meuf et tout? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, bordel? Je te demande rien à foutre, Julien. Est-ce que tu veux qu'on se fasse virer chez nous, putain? Ne laisse pas foutre une part dans la chambre. Ça va bien se passer. Il m'a dit que son père lui avait appris, Julien. C'est bon? Non! Calme-toi.
Et je te promets, et si ça marche pas, Julien, et je vais directement chercher ses parents. Je vais directement chercher ses parents. Non, Julien, arrête, putain. Julien, t'es prêt? Non, vous êtes malades tous les deux. Chut, Clément, donne-moi un truc à mordre. Quoi? Je sais pas, moi. Tiens, prends ça. Non. Ta gueule, Julien. Dormir la blessure. Mais n'importe non, quoi. Non, mais faut appeler les parents de l'air. Mais toi, t'as déjà dit non. Ok, bah va chercher dans les vents de mon père, là, à droite. Okay. Tiens. Tiens. Vas-y. Vraiment, j'ai un sale connard d'égoïste de merde. Mais vous savez quoi, tous avec ça, là? C'est bon, putain. Mais du coup... Julien, t'as vu? Il va chercher ses parents. C'est bon. Julien? Julien?